בחול, צריך טיול, תגידי מה את אומרת, טרמינל 3, עושים בראש, מי צריך פה רכבת, קרה בדירה סחורה ממש קרוב, לדרך השלום, נזמין חשבון, הלילה לא הולכים לישון. Shalom les koulam, bonjour à tous. Aujourd'hui, un cours d'hébreu un peu spécial puisque nous avons un chanteur. J'aime bien inviter des chanteurs dans la cour d'hébreu parce que une langue, ça s'apprend aussi avec la musique. Et quand on parle hébreu en musique, ça rentre beaucoup mieux. Je suis avec David Ababou. David Atam Daber Ivrit. Allez, Rochelle. Bézard. Ken Lo hebanti ma marche de tsarfatit, aval hebanti. Et comprend pas très bien français. Alors on va parler en ivrit. Ivrit avec un petit peu l'accent hébreu. Et toi, très bien l'accent et mifta, khon, mifta. J'essaie. À israéli. Je m'amuse même à parler en français avec l'accent hébreu pour savoir. Ah, t'as dû te faire passer pour un israélien tout souvent, je toujours, sens. Dans, toujours. De, avec la jante féminine. Mais nous allons taire évidemment ces épisodes malencontreux. David, comment ça va? Ça va, grâce à Dieu, Baruch Hashem, top. איך אתה מדבר כל כך טוב עברית? אתה מסתדר מעולה. אני עונה בעברית או בצרפתית? אתה יכול לענות בעברית. Ok, je réponds en français déjà. Alors, j'ai appris à la yeshiva, en fait, on avait des madrechim, enfin ceux qui nous gardaient, ils nous parlaient qu'en hébreu, ils venaient d'Israël. Donc on n'avait pas le choix, on discutait avec eux qu'en hébreu, on n'avait pas le choix. Donc déjà, ça m'a beaucoup aidé. Et à force aussi de partir tous les mois d'août à Natania, à Tel Aviv. Natania, c'est pas trop la ville pour apprendre l'hébreu, c'est sûr. Si vous voulez apprendre le français, il y a de très bons cours de français à Natania. Si vous... Il parle un peu hébreu aussi dans les magasins. Un peu parfois, ça dépend. Alors t'arrives, tu galères pour commander une pizza et le mec il te répond en français, c'est trop sympa ça, tu vois. Parce que quand tu dis F-char, les cabelles pizza. Tu veux une bouteille d'eau, c'est ça? Alors toi, tu t'es fait connaître grâce aux réseaux sociaux, t'es un enfant des réseaux sociaux. Je suis un fan des réseaux sociaux. Ben, on a posté une vidéo sur Facebook qui était à la maison avec ma guitare et mes petits frères. Bon, je ne pensais pas que la vidéo allait autant décoller. Et grâce à Dieu, elle a bien pris. En fait, tu as fait la reprise de Kenji avec les paroles de Adon Olam. Exactement. Que tout le monde connaît, c'est dans la prière. Ça s'est fait pour l'instant. Quoi. Tu peux nous expliquer un petit peu cette mode-là de faire des reprises avec des paroles soit de Torah, ou soit des paroles de la Tfila, ou soit... juste mettre des paroles en hébreu sur des airs connus c'est tout simple. De tout le monde. c'est quoi le concept, ça? Parce que ça a explosé, ça, sur, c'est tout simple. Sur les réseaux sociaux. J'aime plein de trucs qui ne sont pas forcément juifs et pas avec des paroles, on va dire Kodesh. Kodesh. Voilà. Kodesh qui veut dire... Saint, sacré. Donc j'aime les chanter et me dire faire un concert et chanter ces chansons avec des paroles qui veulent, on va dire, qui veulent rien dire. Mm-hmm. Mettre pourquoi pas des paroles en hébreu dessus, qui sont des paroles, comme on a dit, saint. Il y a une fille qui vient me voir un jour, elle me dit « David, j'étais à un concert de Kenji, il a chanté ta chanson en français !» J'ai dit « Quoi ?» J'étais là, je ne connaissais pas, tu vois, et ça, c'est ce qui était marrant. J'ai dit « Non, c'est moi qui ai repris la chanson de Kenji, qui a mis des paroles en hébreu dessus. » Et pour te dire, il y a un Raph qui est venu me voir, il m'a dit « Tu sais, si cette chanson, elle a été composée, si tu penses que c'est pour Kenji, mais en fait, ça a été pour toi, ta-ta-ta, c'est fait exprès que tu as mis des paroles en hébreu dessus. » Oui, si on remonte à Briat Haola, on pense avec que la chanson, Richa. Elle a été faite pour toi. Et après, Kalvachomer, elle a été faite pour... Pour Kenji Jira. Qui c'est celui-là? Bien sûr. Tu nous chantes peut-être une première chanson qui est... Hachem Meller. Hachem Meller, tout simplement. Hein, Dieu et roi. Dieu et roi. Meller. D'ailleurs, le clip ressemble à ça. Hachem Meller. Pas mal. Pas mal. Y a des paysages comme ça à Marseille? Ah oui. Enfin, moi, en même temps, je sors jamais du périphérique, donc je peux pas savoir. Hevetali Kova. J'aimerais bien un petit chapeau, peut-être, pour mettre un peu dans condition. Je peux en prendre un? Bien sûr. Dans la boîte. Attendez, je vais prendre un chapeau. C'est un chapeau de la marque Seven, c'est ça? Il y a deux chapeaux, là. D'accord. Alors, il y en a deux. Il y en a un gris et un noir. Qu'est-ce que tu crois, là? Un noir avec... En vérité, avec toi, j'aurais plutôt vu le gris. Un gris, un truc un peu plus... C'est plus sympa, le gris. Alors, moi, j'ai pas du tout peut-être un chapeau. Je suis un fan de chapeau, donc... Ouais, alors, parlons de chapeau. Moi, je fais du L. Je fais du L en t-shirt. Est-ce que c'est du L en chapeau qu'il faut mettre? Pas forcément. Sachant que je commence à avoir la grosse tête. Et si on sait chanter cette chanson, attention, Hachem Meller. בוקר של גשם הוא שוטף את עיניי היום אני ממשיך את נדודיי בסיפה סבנים מלטפות צעדיי כי מלוא עכשיו ומתי
בדרך עברתי, ראיתי, נזכרתי, מי עזר כל רגע בחיי? השם מלך, ואני כל כך אוהב אותו, הוא נותן הכל ואין עוד מלבדו, את כל ימי אני מקדיש רק לו. השם מלך, ואני כל כך אוהב אותו, הוא נותן הכל ונון מלבדו, את כל ימי אני מקדיש רק לו. Puisqu'on a un public, j'aimerais bien que tout le monde applaudisse, s'il vous plaît. Hey. Petit extrait de HMLR de mon album. Excellent. Hey, toi, tu as besoin de rien, en fait, d'une guitare, et c'est bon. Franchement, ouais. Et si on traduisait un petit peu les paroles, elles sont belles. Tu peux chanter juste la première strophe de la chanson. Boker shel geshem, ou shotef et enai. Alors, un matin de pluie, ou shotef et enai, il me rince les yeux. Ouais, me lave les yeux, quoi. Lichtof. Ouais. Lichtof, ça veut dire rincer, ça veut dire aussi Lichtof et Tayadaim, se laver les mains. Se laver les mains. Et ça veut dire aussi. Litol, tu peux dire Litol aussi. Ouais, Litol Yadaim, bien sûr, Netil Atiadaim. Mais tu peux dire aussi Shotef, c'est Anim Daber Shotef. Je parle couramment. Tu m'as appris un mot. Voilà. Bravo. Anim Daber Shotef, je parle couramment. Anim Daber Ivrit Shotef. Hayom Anim Amshir et Nedoudai. Aujourd'hui. Je continue Anim Amshir et Nedoudai, mais. Mon chemin. Mes errances, mes pérégrinations. Mon chemin, c'est pour ceux qui ont moins de mots dans leur vocabulaire, en français, évidemment. Ça va pas être trop compliqué. C'est un peu, déroulement, c'est un cours, peu le déroulement de, on va dire, de la vie et d'un homme en général, tu vois. Psephas avanim, mais la faute, c'est adai ou c'est adit. Si tu me permets, c'est psephas. 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 Avanim, mais la faute, c'est adai. C'est adai, donc une mosaïque de pierres, d'accord. Donc des pierres de mosaïque, mais la faute, caresse. C'est Adai, mais pas. Mm-hmm. C'est ça? Mm-hmm. D'accord? C'est qui Adai. Im, qui im lo arshav et matai. Et matai. Car si c'est pas maintenant, ce sera quand? Ce sera quand? Ce sera quand? Et matai, c'est beau. Et matai, c'est matai, mais en version de la Mishnah. Ça vient de la Mishnah. Et matai, quand? Bah, derech avarti, mm-hmm. si tu me permets. Okay. Raïti, enfin, on va dire le ti français ou le ti israélien? Ti. Ti, raïti, niskarti. Alors, pendant dans mes chemins, je me suis dans les chemins, je suis passé. Je suis passé. Raïti, j'ai vu. Niskarti, je me suis rappelé. Je me suis rappelé, je me suis souvenu. Mi azar kol rega bechayai, qui m'a aidé durant tous les moments de ma vie. Bien sûr, parfait. Kol rega, chaque instant. Donc c'est instant. Le pré-refrain, ça fait. Baderech avarti, raïti niskarti, mi azar kol rega bechayai. Et le moment voilà. Le plus important. En fait, c'est comme refrain. Une résolution, tu vois, même musicalement, si ça le fait, tu vois. Ouais. Et là, tu réponds, tu dis Hachem Eler. Tu vois, c'est un moment de. Donc, de... Dieu est roi. Dieu est roi. Vani kol kach ohev oto. Et je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Unoten akol venod milvado. Il donne tout et il est, on va dire. Il n'y en a aucun autre comme lui. En od milvado. Il n'y en a encore milvado, aucun autre à part lui, quoi. Et kol yamai ani magdij raklo. Et tous les jours je ne bénis, enfin magdij je. Je consacre. Voilà, je consacre. Tous mes jours je les consacre rien oui. Qu'à lui. Ani magdij l'agdij, consacré. Ani magdij le chazman, je te consacre du temps. Est-ce qu'on peut se faire Adon Olam peut-être? Parce que c'est ton tube, j'ai envie de dire. Bien les sûr. Gens t'ont connu par Adon Olam, il faudrait qu'on leur rende hommage. J'aimerais vous rendre hommage. Adon Olam, ma chère mala. Beterem kol yetsu nivra. להתנסה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו אם לא אוכלו והוא היה והוא עובר והוא יהיה בדיפה Mais la consigne est en écran. Bientôt.
J'aime bien le mot medley en hébreu. Medley, parce que ça c'est veut medley, dire... non? Non. Machrozet. Machrozet, exactement. Machrozet, ça veut dire un bracelet, ça veut dire un medley. Ben, en gros, c'est un bracelet de plusieurs chansons. Hyper. Tu me fais Machrozet? Bien sûr. Les paroles au bas de votre écran. Boy, natos nechoul, tsarich tiyoul. תגידי מה את אומרת, טרמינל שלוש עושים כבר ראש, מי צריך פה רכבת? כן, אני רוצה ואת רוצה לטוס גבוה דרום אמריקה אוי אמריקה מתוקה אוי כמה את יפה הירח כאן ממול תביני פה לא איסטנבול כאן מותר הכל מגבול גם את עושה טוב בהנשרה איי 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 איזו אהבה לילה מחייך שאת איתי כתוב לי המצח שאני מאוהב לך בטירוף ולא ולא עשית גישוף מתוקה תן לנו איביזה אין נעבר אביזה אבל יש את הבריזה של אלה והכינרת אז אם אתה מרגיש אחד בואי מתקרב על הבגד ים אין עוד קיץ כזה ומדינה אחרת אז בוא נשים את כל הבעיות בצד מחבק אותם אחד 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 שם הם ישראלים זה בייסאים סימסולים Tu en connais une aussi, דרך השלום. Si tu nous faisais le פיזמון, le refrain. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום ואיזה חום אולי נזו שואלת גרה בדירה שחורה ממש קרוב לדרך השלום היא הזמין חשבון היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום ואיזה חום אולי נזו שואלת גרה בדירה שחורה ממש קרוב לדרך השלום נזמין חשבון הלילה לא הולכים לישון Tu veux dire ce soir, lol chim lishon? Bah oui, cette nuit, on va pas dormir. Himazmina afour, les chneinu, elle nous commande. Commande afour. Un café afour. Un café afour. Le café au lait. C'est mon café préféré. Les chneinu. Ah, pourquoi on dit afour? Bon, tu dois savoir, mais parce que le lait se mélange avec le. Voilà, afour. Le café, ça fait une sorte d'émulsion. C'était la page culinaire. Les chneinu verrabes. En arabe, c'est nes nes la halik. C'est le seul mot que j'ai appris au Maroc. Au Maroc, je voulais commander un café au lait, j'étais avec un pote qui habitait à Marrakech. Mais tu demandes Nes Nes Laï Halik. J'ai dit ok. C'était notre page à cours d'arabe. Imazmina Afour Lishneinu, elle nous commande un café au lait. Café Afour. Lishneinu pour nous deux. Verak Mitlonenet Alachom. Et elle ne fait que se plaindre de la chaleur. Eizechom, quelle chaleur. Oulay Nazouz Shoelet. Peut-être pourrions-nous bouger. Demande-t-elle. Gara Bedira Srura Mamashkarov, le Derech HaShalom. Elle habite un appartement de location très proche, vraiment, vraiment très proche, Mamashkarov, de Derech HaShalom, qui est en fait une grande avenue à Tel Aviv. Tu vois souvent des panneaux dans Derech HaShalom. Nazmin Khejbon, donc on demande l'addition. Halayla Lo Olchim Lishon, cette nuit, on n'ira pas dormir. Donc on vous passe les détails, bien sûr, de cette chanson un petit peu... pas très cachère. Le café à four, il est cachère. Ah, du moment que le café à four est cachère, ça va. C'est essentiel. Terminal Chaloche, qui veut dire l'aérogare numéro 3. Je suis un petit peu technique aujourd'hui. C'est évidemment le grand terminal qu'on connaît... Tous quand on est en Israël. D'accord. C'est celui qui emmène les Israéliens vers toutes les destinations du monde entier. Terminal Chaloche, donc c'est la chanson de Doudou Aaron. C'est une chanson de Doudou Aaron. Doudou Aaron. Tu peux nous chanter phrase par phrase, on va traduire pour nos Bien sûr. Web internautes. Boy, natos lechoul, tsarich tiyoul, tagidi ma at omeret, terminal 3, tosin kvar rosh, mi tsarich po rakevet, ken ani rotze, ve'ad rotza, latus gavoa drom America, oy America. Alors, Boy, viens. Boy, viens. Natos lechoul, nous allons prendre l'avion. Voyager, les roules, c'est-à-dire les routes, à l'étranger, en dehors de Haaretz. Tsarich tioul, il nous faut une excursion, nous balader, voilà.
Tioul, comme du mot... Les tailles. Les tailles se promener. Tagidi ma atomeret, dis-moi ce que t'en penses, ce que tu dis, mais ce que t'en penses. En vérité, j'en pense que c'est très profond. C'est profond. Terminal Shalosh. Terminal 3, Tovsim, Kvar et Arosh. Kvar Rosh, c'est-à-dire on se prend déjà la tête. Nitzarir Port à Kevet. C'est énorme en Israël, les aéroports, t'as tellement de trucs. C'est des directions partout, c'est etc. C'est pour aller, quoi. Ouais, bah, c'est surtout que t'es en hébreu, tu sais pas lire l'hébreu. Tu te retrouves à Istanbul alors que tu voulais aller aux États-Unis. Nitzarir Port à Kevet, qui a besoin d'un train. Nitzarir Po, qui a besoin d'ici d'un train. Kenani, Rotse, Veatrotsa. Bien sûr, moi je veux, Ken lui. Et toi tu veux. Et toi tu Atrotsa, veux. Atrotsa, c'est. Rotsa qui est féminin et Rotsa qui est masculin. Masculin, pardon, et Rotsa qui est féminin. Et dernière phrase, Latus Gavoa, Drom America. Oi, America. Je veux dire voyager. Alors Latus Gavoa, prendre l'avion très très haut, Drom America vers l'Amérique du Sud. Est-ce que tu reviendrais refaire cette expérience? Franchement. À cours d'hébreu. J'essaye de donner des cours d'hébreu. C'est vrai? Bah, sur scène, j'essaie enfin, avant chaque musique, je présente la musique et j'explique la musique. Faire connaître des comme on a dit tout à l'heure, on a pris Psefa, Savani, par exemple, des mosaïques de pierre, tu sais, des mots un peu difficiles. J'aimerais te remercier. Mamash. C'est moi qui vous remercie. Toda, Mikol, Alev. Mamash, Zaya, Madhim. C'était un plaisir pour moi d'être là parmi vous. Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos internautes qui nous regardent? Est-ce que tu as un message Alors, à faire passer? À faire passer, bien sûr, c'est... À part que tu fais de très beaux chapeaux, la marque 7. Le problème du chapeau, c'est quand t'enlèves le chapeau. C'est pas quand tu mets... Non, quand tu va, mets, c'est très bien, mais quand t'enlèves, tu te retrouves avec la forme du chapeau. Ça te va bien. C'est même limite la marque sur le côté qui a été gravée sur ta coupe. Faire passer un message en hébreu avec de la musique, c'est encore mieux que faire passer un message... Sec musique. En parlant. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur la page Facebook à Cours d'Hébreu. À bientôt avec Eli Cohen. Incroyable. Abba, Chaver amar li lirtov, shir alecha. על כל מה שראיתי בפניך על השלווה ללא מילים הניחוחות והצלילים הכל היה כל כך יפה ביניך אבא זוכר את השבילים לבית הספר את כל המנגינות מתוך החדר כשהקשבת איך אני שר עם המבט המאושר והחיוך המתחבא בין צוותיך או אבא על הדרכים שכואבת לטפח אני הלכתי וניסיתי לנצח ולא תמיד הבנתי איך כי לא על כל הולך אני שונה ממך אבל מאוד כמוך אבא Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker ou à partager. Pour revoir l'intégralité des vidéos à Cours d'Hébreu, rendez-vous sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur votre portable grâce à l'application Beivrit. Je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo et encore plus d'Hébreu.